Nous sommes vendredi 22 mai, il est 10 h et le deuxième e-live, ça commence maintenant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette cinquième édition du deuxième e-live. Ce matin, nous allons passer 30 à 40 minutes ensemble à vous parler d'un sujet qui vous intéresse et qui nous passionne, l'immobilier. Nous allons recevoir deux consultants ce matin. Tout d'abord, nous allons parler Feng Shui. Nous allons parler Feng Shui en recevant une consultante, Mian Li, qui viendra nous parler de l'art du Feng Shui, qui viendra nous parler de l'énergie dans les maisons qu'on habite, dans les maisons qu'on achète, dans les maisons qu'on construit. Vous allez peut-être redécouvrir ou découvrir des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous allez voir, le sujet est passionnant et on espère que vous allez découvrir des choses nouvelles pour vous. En deuxième partie d'émission, nous allons parler d'un autre sujet complètement différent. Nous allons parler des chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes est un sujet qui passionne aussi les Français. Je ne parle pas forcément de l'explosion du Airbnb. Airbnb, c'est un petit peu autre chose. Non, je parle de cette envie d'avoir une jolie propriété et de recevoir des gens chez soi. La chambre d'hôte, ça ne s'achète pas comme une maison normale, ça ne se finance pas comme une maison normale. Donc nous recevrons Brice Debleuvie. Brice Debleuvie est expert en immobilier et fait partie de l'agence immobilier de Provence. Il vend des chambres d'hôtes, il en a dans son portefeuille, donc il viendra nous expliquer quelles sont les petites spécificités pour pouvoir s'offrir une belle chambre d'hôte. Nous ne manquerons pas, bien évidemment, d'aller en visiter une très jolie dans le sud du Béron, afin peut-être de vous donner l'envie de vous aussi passer le cap et venir changer de vie dans le sud de la France. Voilà, sans plus attendre, j'envoie le jingle, on reçoit Miliane tout de suite et on parle d'abord Feng Shui. C'est parti! Miyan, bonjour. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le deuxième live. Alors, Miyan, vous êtes consultante Feng Shui. Le Feng Shui, ça parle certainement à certains de nos auditeurs, mais à d'autres, absolument pas. Alors, pour commencer, le Feng Shui, c'est quoi? Une religion, une philosophie, un concept? Bonjour Laurent, déjà merci pour votre invitation. Donc le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois, en tout cas observé par les Chinois, qui fait beaucoup appel au bon sens, quoi qu'il en soit, et qui va nous permettre de lire en fait notre environnement de façon à pouvoir bien installer notre habitation ou savoir tout simplement si nous allons être bien dans cette maison pour pouvoir récupérer énergétiquement et pouvoir faire aboutir tous nos projets. Voilà. D'accord, donc on peut dire que le Feng Shui et l'immobilier, puisque cette émission est une émission consacrée à l'immobilier, sont étroitement liés. Alors, quand vous dites le Feng Shui et l'immobilier, le Feng Shui et la façon dont on vit la maison, ça veut dire quoi dans le concret? Quels sont les conseils? Vous êtes consultante en Feng Shui. Quand quelqu'un vous appelle pour dire, voilà, bonjour Mian, je voudrais que vous regardiez ma maison, ça veut dire quoi? Ils vous appellent pourquoi les gens? Alors, il m'appelle souvent parce qu'il y a une problématique. Ça peut être justement des projets qui n'aboutissent pas. Une sensation de mal-être. On travaille beaucoup en fait sur notre environnement, sur l'émotion en fait que nous procure cette habitation. Donc rentrer chez soi et être en tension parfois nous permet juste de comprendre qu'il y a quelque chose dans cette habitation, dans son agencement, qui ne nous convient pas. Et pourtant on a choisi cette habitation. Donc degré. Ou vraiment parce que c'est un choix, parce qu'il y a le coup de cœur. Mais un coup de cœur peut être dû justement uniquement à l'extérieur, mais parfois l'habitation, son agencement, ce qui veut dire l'emplacement de la chambre, de certaines pièces comme la cuisine, les sanitaires, vont nous donner une information et qui justement va évacuer ou bien nous placer. Donc vous êtes en train de dire que je vais peut-être acheter une maison parce qu'elle me plaît, j'ai eu un coup de cœur, mais finalement l'agencement de cette maison ne va pas fondamentalement convenir à qui je suis en tant qu'individu? C'est ça l'idée?
Oui, tout à fait. Le Feng Shui va travailler sur de l'énergie, ça reste énergétique, et on travaille en fait sur nos dates de naissance et la date de construction de l'habitation. Et ces deux dates vont nous donner l'information qui est un profil énergétique, le profil d'une personne, des habitants tout simplement, parce que forcément il peut y avoir les conjoints, les enfants, etc., plus le profil de la maison. Et les deux profils, enfin, tout ça mis ensemble, on va pouvoir savoir si ça fonctionne ou pas, si ça match ou pas. Donc, c'est sûr que vous pouvez avoir une énergie spécifique, mais votre conjoint est différent et lui ne va pas vivre la maison de la même façon. Alors ça c'est très important, c'était ma question suivante. Bon c'est bien, on vit à plusieurs, le mari, la femme, les enfants, on est pourtant tous dans la même maison, on n'est pas tous nés à la même date, donc j'imagine qu'à un moment, ça doit un petit peu se friter au niveau énergétique. Comment vous pouvez résoudre ça? Comment vous pouvez dire aux gens, bah, ben, toi tu peux y rester, non mais toi c'est pas très bien, tu devrais aller habiter dans la maison au fond du jardin, parce que celle-là elle te convient pas, j'imagine que ça doit être cocasse. C'est très cocasse, oui, ça l'est énormément. J'en connais quelques-uns qui vivent pas mal ça. On fait des compromis. On fait des compromis. Il y a toujours, on a quatre bonnes énergies, quatre mauvaises, et on essaye vraiment de prendre la moins pire pour l'un et la moins pire pour l'autre, et ainsi de suite. L'objectif, c'est vraiment de récupérer un maximum. Après, voilà, suivant comment fonctionnent les couples, il y a aussi le choix personnel de mettre plus en avant l'autre, parce que bah voilà, c'est comme ça que le couple fonctionne. On n'est pas là pour dire non, aujourd'hui vous devez faire autrement. Non, c'est vraiment, ça reste un choix très personnel. Et voilà, l'habitation, c'est personnel, c'est notre nid à nous, quoi, à chacun. Donc ça veut dire que peut-être vous pouvez privilégier des espaces pour chacun où l'espace sera le top pour l'un. Je veux dire, après on se retrouve dans le salon où ça va pour personne. Bon, ça c'est pas grave. Mais au moins chacun dans sa pièce, il est à peu près bien. Est-ce que ça c'est possible? Mais c'est ça le plus important, justement. D'accord. On va vraiment faire en sorte que les pièces, l'orientation du lit, va porter à tout le monde, ou en tout cas au maximum, on va optimiser, tout simplement. D'accord. Donc Alors. l'objectif, c'est vraiment, voilà, bien. Là, on parle de la vie dans la maison pendant qu'on y est, mais là, on parle aussi en tant qu'agent immobilier, on parle aux agents immobiliers, donc à un moment, on va passer à la vente. Et est-ce que vous avez eu l'expérience ou vous pensez qu'il y a des maisons qui ne se vendent pas parce que l'énergie, le feng shui de la maison n'est pas en adéquation avec la volonté de vente des gens ou des acheteurs, j'allais dire, parce que est-ce que ça joue là aussi? Alors oui, bien sûr, ça joue, c'est énergétique. Certaines personnes vont quitter la maison parce qu'ils n'ont pas le choix. Malgré tout, il y a une histoire, des choses comme ça. Donc c'est de savoir pourquoi, quel est le projet. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai projet de vente? Lequel des deux, dans le couple parfois, enfin, voulait vraiment vendre? Ensuite, l'habitation, parfois si elle ne se vend pas, c'est qu'il y a aussi une fuite énergétique ou quelque chose qui bloque autour de l'habitation. Donc ça peut être justement une visibilité, donc dans un secteur par exemple sud, hein, qui est très important. Et s'il n'y a pas de visibilité dans cette partie-là, donc tout est fermé, vous avez des pièces justement qui sont peut-être surchargées, même si c'est une vente, vous avez des toilettes qui sont grandes ouvertes ou des choses comme ça, il y a des évacuations de trop. Ça permet justement de savoir pourquoi est-ce que la maison n'est pas visible ou ne donne pas envie. D'accord, donc ça c'est très important parce que ça veut dire que sur une maison qui freine et qui reste sur le marché depuis longtemps, donc nous généralement on dit, et ça arrive bien souvent, elle n'est pas au prix, donc pourquoi pas, mais peut-être aussi qu'elle n'est pas énergétiquement en phase avec son instant de vente. Ça c'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible. Mais parfois, lorsqu'on essaye de vendre, forcément, on essaye de faire en sorte que cette habitation soit la plus agréable, la plus jolie. Mais le côté peut-être impersonnel, on veut en faire un peu trop et on veut dépersonnaliser de trop, suivant les personnes les acheteurs, pardon, vont avoir envie de ressentir ce côté familial. C'est une maison cosy et on se retrouve avec une maison impersonnelle et énergétiquement, ça ne porte pas. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors ça c'est un autre aspect très intéressant parce que généralement on dit la maison elle est trop chargée, c'est-à-dire qu'on arrive chez les gens, c'est hyper meublé, il y a des bibelots partout, donc on n'arrive pas à se projeter. Là vous êtes en train de nous dire, bon des fois c'est trop déchargé, si je peux dire ça comme ça, il en C'est ça. manque. Et puis je dirais, il y a des maisons qui sont vides également, des fois les gens sont déjà partis, ils n'ont pas pu les vendre, on rentre, c'est vide. Donc à partir de là, est-ce qu'il y a aussi un impact
sur la façon dont la maison est meublée, parce qu'il y a comment elle est orientée architecturellement, ça on va pas pouvoir le changer tout de suite, mais la façon Tout à dont elle fait. est meublée ou pas meublée, donc là vous nous dites qu'il y a un réel impact et il peut se faire qu'une maison vide se vende beaucoup moins bien ou qu'une maison pleine, ou l'inverse, parce que si elle est trop pleine, on a un problème également. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment voir le côté énergétique de l'habitation. Vous avez on peut retravailler certaines choses comme les couleurs qui vont avoir une vibration un peu spécifique pour certains secteurs. La tendance est quand même à la salle de bain noire, grise, voire bleue, parce qu'on est quand même en Provence. S'il y a des fuites énergétiques, parce que justement ces couleurs-là viennent activer certains secteurs qui ne fonctionnent pas. Donc, lorsqu'il y a des meubles, vous avez des objets qui vont pouvoir activer ces énergies-là. Lorsqu'on vide tout, le problème, c'est que oui, les acheteurs sont censés pouvoir se projeter, mais si l'énergie ne leur convient pas, ils n'y arriveront pas. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque parce que ces secteurs-là, bah, peut-être que l'agencement de la maison n'est pas bien agencé, tout simplement. Une salle de bain dans un secteur sud, par exemple, viendra plomber en fait cette énergie. Donc on peut dire aux gens qui nous regardent, si votre maison ne se vend pas ou si elle a de la peine, peut-être consultez votre consultant en feng shui. Il y a peut-être une vraie question là-dessus. Alors je vais rebondir sur un autre sujet qui est au moment où je construis une maison. Parce que là j'achète une maison qui est déjà faite, donc je la prends comme elle est architecturalement construite. En revanche, je la construis. Donc j'ai l'impression que bien souvent, les gens construisent les maisons en rapport leur plaisir. Ben tiens, on va mettre la chambre ici, on va faire ça, on va faire un U, on va faire un L, on fait deux étages, on fait un carré, on fait je sais pas quoi. Est-ce que là, vous aussi, il y a un impact et vous avez quelque chose à faire avant la construction avec les architectes pour leur dire, attention les gars, si là tu mets ça comme ça, il va y avoir une Tout à fait. rupture énergétique. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On travaille d'abord sur la personne. Donc, on fait d'abord le profil de la personne, enfin des habitants. Et du moment qu'on a le profil, on peut dessiner les plans. On peut faire des choix et des choix d'emplacement. Et c'est très important. On a tendance à faire confiance aux architectes qui sont très bien et qui font enfin, de très belles maisons. Qui peuvent, voilà, certaines habitations, enfin souvent je les appelle des maisons de vacances parce qu'on ne peut pas y vivre, tout le monde ne peut pas vivre dans ce type d'habitation parce qu'énergétiquement, justement, il y a ces fuites. Donc il est très important, avant de construire, de connaître son propre profil. Et du moment qu'on a son profil, on peut agencer la maison autour de la personne pour elle. Et non pas faire D'accord. l'inverse, parce qu'on se retrouve finalement à rentrer dans une maison. Oui, alors elle est très jolie, mais énergétiquement, on se retrouve comme si on rentrait dans n'importe quelle autre maison qu'on aurait achetée, déjà construite. D'accord. Ensuite, le terrain est important. Alors le terrain justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le terrain? Bah, l'emplacement du terrain est important, ce qui veut dire que la façon dont la maison va être installée, on part du. Lorsqu'on arrive en fait sur le terrain, il doit avoir une forme importante, et l'emplacement de la maison à l'endroit où il est situé doit être bien orienté. Donc ce terrain-là, si suivant la forme qu'il va avoir, si ça fait trop de, si ça fait comme une cuvette ou des choses comme ça, l'énergie ne peut plus circuler. Et du moment qu'il y a un blocage, c'est comme si on se retrouvait noyé comme dans une sorte de sable mouvant et n'a plus pouvoir avancer. D'accord. On a vraiment attention. Donc on a une véritable adéquation entre le terrain, et là on n'est pas en train de parler de dire je tourne la maison au nord, au sud, à l'est, c'est pas ça, c'est plus l'organisation de la forme du terrain, de son positionnement plus géologique, altimétrique, et qui je suis et ma personnalité pour mettre ma maison. Donc Exactement. là vous êtes en train de dire que cette adéquation de construction, elle est extrêmement importante, extrêmement forte. Et finalement, si je me reporte au sujet qu'on a fait tout à l'heure, le jour où je vends ma maison, il faudrait que le suivant, il ait à peu près le même niveau énergétique que moi. C'est ça qu'on est en train de dire, si je veux qu'il y soit bien. C'est exactement ça. Si Ah, j'ai on tout est, si vous compris. étiez bien. Ah oui, mais c'est ça. Ah, mais totalement. Si vous étiez bien dans cette maison et que vos projets ont évolué et que justement vous partez pour bah, du mieux, c'est l'objectif. Rentrer dans une. Le prochain, s'il a la même trame énergétique que vous, il va pouvoir avoir la même évolution. Ensuite, on a bien évidemment la période de temps. Le Feng Shui, c'est travailler sur la partie statique, l'énergie statique, qui est l'habitation, le terrain qui est posé, construit. Et ensuite, vous avez l'énergie du temps. Et cette énergie du temps va faire évoluer également la vie. C'est un peu ce qu'on appelle les hauts et les bas dans la vie.
Donc, arriver à savoir à quel moment on s'installe, à quel moment on va faire construire, va nous permettre de récupérer un maximum d'énergie positive et bénéfique pour tout le monde. Et donc, surtout pour la maison, parce que finalement, si cette habitation récupère une énergie qui est négative, elle va nous la rendre. C'est nous qui l'absorbons comme des plantes, tout simplement. D'accord. Donc, oui, c'est très important. Alors, on va entamer un troisième volet, c'est le volet professionnel. Donc, évidemment, on construit aussi des locaux professionnels, on aménage des locaux professionnels. Dans ces locaux, on va faire travailler des collaborateurs. Donc, là, j'imagine que l'impact, ben, c'est pareil, d'accord? On va avoir cette relation que je vais appeler RH d'abord, c'est-à-dire la qualité de l'individu, puis dans quoi on va le mettre? Et puis l'addition des deux, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi? Ah oui, je travaille beaucoup dessus depuis 1 an et demi à peu près, où vraiment on arrive à travailler avec des entreprises. J'ai d'ailleurs une grosse société immobilière sur Paris avec qui on est en train de retravailler les bureaux de chacun pour être sûr que chaque salarié soit bien dans son environnement. C'est entre guillemets ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, QVT. D'accord. Donc c'est vraiment un domaine sur lequel le feng shui peut influencer notre état d'esprit quand on arrive au bureau. Donc l'emplacement du bureau du patron, enfin des employeurs, du service RH, chaque secteur, chaque service va avoir un domaine bien spécifique agencé dans le local. Mais les employés, comment dire, leur bureau va leur permettre d'avancer et de pouvoir travailler et donner le maximum qu'ils ont et qu'ils ont envie, surtout. D'accord. Donc motivé. Donc là, est-ce qu'on peut imaginer un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise? Ce collaborateur a un joli CV, il correspond parfaitement au poste, et puis finalement, je le mets dans un endroit qui n'est pas du tout fait énergétiquement pour lui, et puis on pourrait avoir des résultats beaucoup moins bons que ce qu'on attend. Ça arrive, ça? Ah mais ça arrive très souvent. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi et les salariés ne se sentent pas à leur place. D'accord. Et quand ils ont cette sensation de ne pas se sentir à leur place, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, parce que justement, dans les anciennes sociétés, ça se passait très bien. Ils avaient justement, au niveau de leur production, la production était très bonne. Et là, d'un coup, se retrouvent. Alors, pareil, c'est leur profil énergétique, donc leur date de naissance qui va nous donner ces indications-là de comment le placer. Demain, vous le mettez dans une orientation, entre guillemets, dite d'échec. Cette orientation-là fait qu'il va se saborder finalement et il va s'épuiser et ne pas arriver à produire ce que vous attendez de lui. D'accord. Et cette incompréhension de sa part et même de votre part, justement, il ne donne pas, les bénéfices attendus ne sont pas là. Automatiquement, ça va jouer sur son moral, sur le vôtre, sur la confiance et finalement, la cohésion d'équipe n'existera plus du tout. Ok. Alors là, qu'on soit clair, on n'est pas en train de parler de recrutement avant en disant cet individu, il ne faut pas le faire rentrer. On est en train de parler de mettre en adéquation parfaite l'individu et son cadre de travail. Que les gens ne se C'est méprennent ça. pas, ce n'est pas Ah une situation de gourou en disant non, non, mais celui-là, il ne faut pas le non. recruter parce qu'il ne rentre pas dans l'entreprise, c'est pas bon, son énergie n'est pas bonne. C'est pas ça. Non, C'est dire non, c'est pas ça. attention de ne pas le mettre dans un endroit de défaillance. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est que justement, c'est que si vous l'avez recruté et que vous le trouvez super, eh bien, tant qu'à faire, autant le positionner pour que lui soit bien. Au-delà de ça, c'est pas de dire qu'il va vous donner du rendement, c'est que du moment qu'il sera bien, il se sentira à sa place et donc pourra produire ce qu'il a envie et finalement ce que vous attendez de lui. Très bien. Alors, Voilà. Myan, on a parcouru la maison qu'on achète, la maison qu'on construit, l'entreprise qu'on crée. Aujourd'hui, si on devait résumer, si vous deviez dire quelque chose sur votre fonction de consultante, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous écoutent dans leur globalité pour que ça s'améliore? On sort d'un confinement, c'est vrai, ça on n'en a pas parlé, on a passé 2 mois, j'allais dire, dans nos prisons dorées, parce qu'on est chez nous, donc on va dire que c'est plutôt doré, mais j'imagine que là aussi, ça n'a pas dû être facile pour tout le monde. Vous avez peut-être eu des demandes, des appels, pour dire, ça va pas, on ne comprend pas, ça se passait très bien dans la vie, puis là, au bout d'un mois et demi, ça frite, ça va arriver, ça? Ah ben oui, c'est arrivé. Vous avez justement des clients déjà avec qui j'ai déjà travaillé leur habitation, qui d'un coup appellent parce qu'ils se sentent pas bien, ils sentent une oppression. Alors oui, c'est le confinement, on est coincé chez nous.
Maintenant, l'habitation a été travaillée de façon, bah, comme ils sont actifs, ils passent moins de temps dans le salon, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, toutes nos réunions se passent en visio, le télétravail, etc. Donc, on ne travaille pas sur son lit, on va travailler dans sa salle à manger, sur son canapé, peu importe. Mais il se trouve que ce n'est pas une énergie dans laquelle on est censé passer du temps, une journée entière. Quand on arrive à le faire un week-end de temps en temps, ok, pourquoi pas, mais quand là, c'est tous les jours pendant 2 mois, quand on est dans un mauvais environnement énergétique, attention, parce que justement, notre maison, c'est une prison dorée, c'est un nid, en fait, à l'origine. De ne pas pouvoir en sortir et d'être coincé dans une zone bien précise, on commence à saturer et on absorbe une énergie qui n'est pas bonne. Donc, en règle générale, c'est surtout s'écouter. Quand on s'épuise, quand on sent que quelque chose ne va pas, faut pas hésiter. Voilà, si on peut sortir, on sort. Mais de ressentir, entre guillemets, un peu plus et de s'écouter, est-ce qu'on se sent bien? Et quand ça ne fonctionne pas, quand quelque chose bloque, oui, il est important de comprendre pourquoi. Et quand on a des enfants, c'est pareil. La crise d'adolescence, j'en connais qui l'ont à 5 ans, donc une crise d'ado à 5 ans, mais c'est parce que justement, ils se sentent en insécurité, ces petits. Donc, c'est de se dire, bah, on les écoute, ce ne sont pas que des caprices. Et parfois, ils ne se sentent pas bien et il faut savoir pourquoi ils ne se sentent pas bien. Donc, le feng shui, voilà, ça fonctionne pour tout le monde. L'essentiel, c'est de s'écouter et de pouvoir, en fait, ben, récupérer un maximum, ben, son énergie de santé, de repos. Et comme ça, tout va bien. Et est-ce qu'il est arrivé des jours ou des moments où vous arrivez dans une maison et vous dites non mais là c'est la cata, il n'y a rien qui est mis au bon endroit, on va la raser parce que je peux rien faire. Ou est-ce qu'on a toujours des situations ou des solutions pour créer quelque chose, pour sauver ces pauvres gens qui sont dans une maison totalement, je dirais, énergétivore dans le mauvais sens? La question qui fait peur. Oui. Piège. Alors, en général, je dis pas qu'il faut la raser. Je dis que c'est une maison de vacances. Ah bon, donc, Une maison de vacances? Alors, non, non, je dis pas qu'il faut il raser. démissionne et il reste en vacances chez lui et ça ira mieux. C'est ça l'idée. C'est presque ça. De toute façon, ce sont des habitations dans lesquelles il va manquer les secteurs qui sont importants, comme une partie, on va dire, tout ce qui est professionnel, le côté actif. Quand vous partez en vacances, bah, vous ne pensez pas au boulot. Vous ne pensez pas à gagner de l'argent. Vous partez pour vous reposer. Et ça dure 15 jours, 3 semaines, et tout va bien. Il n'y a pas de stress. Maintenant, quand on vit dans ce type d'habitation, il va y avoir des secteurs qui sont manquants, qui vont être tronqués, qui vont être évacués. Et ça, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Ce qui veut dire que lorsque c'est évacué tous les jours pendant 1 an, 2 ans, enfin le temps que vous restez dans cette habitation, vous perdez en énergie. En perdant en énergie, ben, on n'a plus la force pour avancer. Donc non, je ne dis pas qu'il faut la raser, mais si on pouvait la mettre en location pour les vacances et se prendre autre chose, c'est souvent ce que je propose. Après, voilà, on va essayer de l'équilibrer au maximum, mais il y a un moment où ça va bloquer. Donc quand vous avez des maisons en forme de C, en forme de J, de H, voilà, qui partent un peu dans tous les sens, la forme de l'habitation est très importante et il y a des évacuations. C'est comme si vous avez un bras plus court que l'autre, une jambe plus courte que l'autre, et ainsi de suite. Ça crée une sorte de handicap et vous vous épuisez justement à pouvoir avoir une vie normale finalement. L'objectif, c'est que ce soit fluide. Donc comment faire? Ben, on va essayer de compenser et mettre la béquille et de manière à ce que ça se maintienne. Donc on ne peut pas toujours faire quelque chose sur les habitations. Maintenant, quand on le sait, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous devez vous donner à 200%, et ben vous donnez à 200%. Après, c'est de dormir au maximum là où il faut, c'est tout. Super, alors je vais réitérer ma proposition. Voilà, on va arriver au bout de cette interview. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent sur le Feng Shui, sur ce que vous faites, sur ce que vous pouvez leur apporter? Profitez-en, je dirais la parole est à vous. Merci. Écoutez-vous, c'est surtout ça. Non, faites en sorte que vraiment cette habitation, votre environnement, évitez d'avoir des plantes malades, évitez d'avoir du désordre chez vous. Ça commence par ça. Quand on rentre dans une habitation, ça a l'air évident comme ça pour tout le monde, mais de manière étonnante, on ne le voit plus. Donc, faites en sorte que quand vous
rentrer chez vous, bah vous soyez bien. Si vraiment vous ressentez, mais que ce soit chez vous d'ailleurs, ou à votre bureau, si vous y allez avec la boule au ventre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, bah c'est ça le plus intéressant et c'est ça le plus important parce que vous commencez déjà à désenclencher en fait une problématique. Donc que ce soit en entreprise, future construction ou l'habitation actuelle, il y a toujours un moyen pour déjà compenser les choses et de faire qu'on soit mieux. Donc n'hésitez pas. Et puis des consultants Feng Shui, nous sommes nombreux et faut pas hésiter. D'accord? Eh Merci bien, Laurent. voilà, je pense que la conclusion a été donnée. Myriam, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Moi, je suis content parce que pour une fois que les Chinois nous ont envoyé quelque chose de sympa, c'est surtout l'actualité. Donc, merci à eux. Et puis, tous ceux qui nous ont écoutés, si vous voulez vendre votre maison, habiter mieux, faire construire, changer votre boulot, eh bien, appelez votre consultant Feng Shui et il sera là pour vous aider. Merci Myriam, à très vite et bonne journée à vous. Merci Laurent. Bonne journée, à bientôt. Voilà, notre premier consultant du jour, c'est déjà terminé. J'espère que ce sujet sur le Feng Shui vous a intéressé, pour pas dire passionné. Nous allons donc maintenant accueillir Brice de Bleuville. Nous allons passer au deuxième sujet de la matinée, le sujet sur les chambres d'hôtes. Brice, on va l'interroger, on va lui demander d'où ça vient, on va lui demander comment on fait pour en acheter, comment on la finance, et puis on va le laisser nous emmener sur un très joli produit au sud de Luberon qu'il va nous présenter avec bonheur. Voilà, on y va. Je fais passer Brice. Voilà, je vois qu'il attend à côté. Je le fais rentrer sur le plateau, j'envoie le jingle et on attaque les chambres d'hôtes. C'est parti. Brice, bonjour. Heureux de t'accueillir sur le plateau de Deuxième Live pour la première fois. Donc, Brice, tu es expert immobilier, tu es un agent immobilier bien connu de My Market Immo, puisque tu es à la création de My Market Immo en tant que responsable de l'agence immobilier de Provence, puisque ceux qui nous connaissent savent qu'on a déjà commencé ensemble dans l'immobilier, dans la transaction, et de là est né le contexte. Donc, ce matin, j'ai un privilège, c'est de t'interviewer pour la première fois sur cette chaîne. Et on va parler ce matin des chambres d'hôtes. C'est un sujet qui nous tenait à cœur puisqu'on en a quelques-unes à vendre et on en a vendu quelques-unes. Donc, tu vas t'y coller et on va parler chambres d'hôtes. Et pour parler chambres d'hôtes, on va d'abord expliquer à nos spectateurs ben, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, ce dont on a le droit de faire. Alors bonjour Laurent, alors tout d'abord merci hein, de m'accueillir sur ce plateau et j'espère pouvoir apporter justement un peu d'infos pertinentes pour les gens qui nous écoutent. Donc oui, la chambre d'hôte, déjà pour comprendre peut-être un peu plus ce que c'est déjà voir un peu l'historique de ce qu'est une chambre d'hôte. Et une chambre d'hôte, si on doit la résumer, c'est une activité qui s'est créée déjà dès le 19e siècle, notamment pour être un complément de revenu pour des personnes qui avaient une activité agricole, donc en milieu rural. Après, ça s'est exporté à la ville et il y a eu plusieurs choses qui se sont déclinées et qui ont amené la chambre d'hôte justement à se démocratiser. Mais il ne faut surtout pas confondre chambre d'hôte et gîte, par exemple, qui ne sont pas les mêmes activités. Voilà, Alors, ça c'est quoi la c'était différence entre les deux? Alors, par exemple, la chambre d'hôte, c'est quelque chose qui est encadré par un décret qui date d'août 2007 et qui stipule clairement qu'une chambre d'hôte abriter, pardon, une bâtisse avec 5 chambres et 15 occupants maximum. Sinon, on passe sous le D'accord. cadre de l'hôtellerie ou la petite hôtellerie. Le gîte, D'accord. c'est, dans le langage courant que tout le monde comprend, de la location saisonnière. Voilà. Ok. Pendant que j'y suis, est-ce que Airbnb, c'est une émanation, c'est une extension de la chambre d'hôte ou pas du tout, puisque Airbnb, c'est plus du gîte ou je sais pas, comment tu vois ça, toi? Clairement, le Airbnb a profité des deux, mais ça s'apparente davantage au gîte. Voilà. C'est une façon, on va dire, plus fluide de proposer le gîte. Et c'est plus un aspect marketing qui a mis en place la démocratisation du gîte, mais ce n'est pas de la chambre d'hôte. D'accord. Alors Brice, maintenant qu'on a compris un petit peu le système législatif autour de la chambre d'hôte, en fait, qui ouvre une chambre d'hôte? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une idée de combien il y a de chambres d'hôtes en France?
Voilà, quel est le profil type des personnes qui veulent ouvrir une chambre d'hôte? Alors, les chambres d'hôtes, ça peut être toi demain, Laurent, qui ouvre la tienne, si tu t'ennuies après les enregistrements de l'émission, bien sûr. Mais ça peut être, c'est vraiment le cas est là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. D'accord. Et c'est surtout, on va partir sur l'esprit de personnes qui veulent changer de vie. On est sur des nouveaux projets de vie. Peut-être que monsieur ou madame, d'ailleurs, avait une carrière ailleurs, dans une autre région, et ont envie de changer de vie et d'aller dans le sud de la France. Comme qui peut être de Biarritz jusqu'à Menton, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un changement radical de vie qui fait que les personnes veulent profiter d'un environnement qui n'était peut-être pas le leur au départ. Donc le changement de vie, tu viens de le dire, c'est l'environnement. Ensuite, il faut devenir quand même petit hôtelier, c'est-à-dire que là, tu vas servir les petits déjeuners, parce que la chambre d'hôte, c'est petit déjeuner inclus, le fameux bed and breakfast à l'anglaise. Donc toute la saison, tous les matins, tu fais tes petits déjeuners. Donc est-ce que ça Ben oui. impose là un rythme de travail? Je dirais, est-ce que tous les gens se rendent compte de ça? Est-ce que les chambres d'hôtes qu'on a à la revente, c'est pas un moment des gens qui se disent, bon, ben ouais, c'était sympa le projet, mais maintenant un petit déjeuner, j'en ai un peu marre. Alors ça c'est très pertinent parce qu'il y a un avant, c'est-à-dire l'engouement du projet. Je rêve de faire ça, je rêve de ce changement de vie et de profiter d'une nouvelle région. Il faut vraiment accentuer là-dessus. Et il y a, on va dire, pas dans la plupart du cas, mais assez fréquemment, un peu la désillusion. Pourquoi? Parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait une charge de travail aussi importante. On pensait que les choses seraient beaucoup plus faciles. Et puis on est aussi sujet, et là, on en est en plein dedans, hein, peut-être pour cette saison, avec des cas, où on va avoir du tourisme peut-être un peu moins fort, ou en tout cas, peut-être un peu mesuré, en fait, du sorti du confinement, hein, bien sûr. Donc peut-être que ça peut être compliqué d'appréhender ce genre de choses. Et du coup, c'est peut-être ce qui arrive aussi en forme de désillusion. En gros, dans notre région, on peut constater qu'une chambre d'hôte, il y a un. C'est assez récurrent que les gens lancent une chambre d'hôte et sous 5 à 7 ans passent à autre chose. D'accord. Alors, autre question, parce que je pense complémentaire, est-ce que tous les biens se prêtent à faire de la chambre d'hôte? Alors, tous les biens, non. Il y a quand même des dispositions à mettre en place. Et puis, en termes de configuration, il faut déjà que ça s'y prête par nature, ou alors faire les travaux nécessaires. Mais après, si on part sur l'aspect, on va dire, financier, ou en tout cas en termes d'achat, il y a une catégorie de biens à laquelle on ne va pas aller pour la chambre d'hôte. Parce que tu l'as dit très justement, à un moment donné, on va se mettre au service des gens qui vont venir chez nous, qui sont dans notre intimité, et il y a peut-être un certain montant, et ça on le voit avec le vécu, hein, des transactions, où les gens ne sont pas prêts à mettre au-delà d'un certain prix pour avoir cette activité-là. D'accord, donc tu veux dire qu'une chambre d'hôte à 3 millions d'euros, ça n'existe pas forcément, quoi. Même si la maison est somptueuse, c'est pas forcément le sujet de l'acheteur, c'est ça? Elle peut exister, mais il y aura un complément. Peut-être du gîte à côté, peut-être une activité de no-tourisme, je ne sais pas, mais d'autres choses. Mais de la chambre d'hôte pure à 3 millions, j'en ai vu qui ont essayé, ils ont forcément eu des problèmes. Tu connais tes classiques. D'accord. Donc le bon prix pour une chambre d'hôte, tu qualifierais quoi? C'est quoi le bon ticket pour rentrer dans le jeu? J'ai envie de dire que tout dépend déjà de l'emplacement, tout dépend aussi si c'est une chambre d'hôte qui est en création ou qui a déjà une activité existante. Mais on va clairement dire que dépasser le million sur une chambre d'hôte, on est déjà en train de monter sur une catégorie un peu compliquée déjà à financer et tout simplement à envisager en termes de projet de vie. Alors justement, le financement pour les gens qui nous écoutent, est-ce que sur une chambre d'hôte, on peut la faire financer sur les résultats de l'exploitation passée? Comment ça se finance une chambre d'hôte? Alors, là, il faut casser peut-être des rêves de certaines personnes. Faire la chambre d'hôte, c'est, on l'a dit au départ, c'est un complément de revenu. C'est pas une activité à part entière. On n'est pas une entreprise. On peut être micro-entrepreneur pour avoir ces compléments de revenus, ça, c'est un fait. Mais on n'est pas une SASU, on n'est pas une SARL, on n'est pas tout ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un compte de résultat et on n'a pas un bilan vraiment. Comme on l'entend. Donc, présenter une activité de chambre d'hôte en financement à un banquier, c'est 99%
de risque de voir refuser son emprunt. D'accord. Ce qui va être vraiment important, en fait, c'est si on peut donner un conseil, et en tout cas c'est ce que je donne moi aux personnes qui veulent se positionner sur la chambre d'hôte, c'est clairement de partir sur un projet de vie, donc d'avoir sa résidence principale, et ensuite de se servir de cette activité-là et ce complément de revenu pour justement aider le remboursement de ce bien-là. Mais présenter un achat et financer via l'exercice de la chambre d'hôte, c'est directement aller à l'échec. Ok, donc ça c'est très important. Donc tu disais tout à l'heure, c'est un complément de revenu. Ça, j'imagine que parce qu'à l'origine où ça a été créé, c'était fait pour faire un complément de revenu dans le milieu rural. Aujourd'hui, on voit des chambres d'hôtes et surtout dans notre région qui louent des chambres aussi chères, voire plus chères que des hôtels. Donc ça peut devenir un réel revenu. Maintenant, dans la structure chambre d'hôte, ça veut dire chez soi. Est-ce que tu as un équilibre, un ratio, quand j'achète 1 million d'euros, une jolie bâtisse pour faire la chambre d'hôte, comment je répartis entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à la chambre d'hôte, la rentabilité du business? Est-ce que là, il y a un sujet dans lequel tu as réfléchi là-dessus? Alors, il faut que déjà, quand on se met en ordre d'achat, envisager qu'on a 50% qui va être psychologiquement attribué à sa résidence principale et 50% à son activité de chambre d'hôte. En revanche, en raisonnant comme ça, il faut surtout pas tomber dans le piège de dire, je vais amener, par exemple, sur l'exemple d'un million, comme tu précises, 500 000 euros d'apport pour financer ma résidence principale et faire un emprunt de 500 000 euros pour financer ma chambre d'hôte. C'est le fameux cas que j'expliquais tout à l'heure où on est à 99% de risque d'avoir un refus. D'accord. Pourquoi? Parce que souvent, l'activité de chambre d'hôte, si elle est déjà existante, va être référencée sur des revenus, donc sur de l'IRPP du précédent occupant. D'accord. Donc on n'est pas sur l'activité professionnelle en tant que telle. Donc maintenant, on a peut-être encore une activité principale soi-même, c'est-à-dire on rejoint le cadre de complément de revenu, hein. Peut-être que c'est monsieur ou madame qui reste sur place pour faire la chambre d'hôte et l'un des deux continue à avoir son activité. On peut envisager le financement sur l'activité principale, justement, qui est encore existante. D'accord. Donc, ce que tu nous dis, en gros, coupez en deux votre investissement. Les premiers 500 000, c'est votre maison. Ça, on n'y touche pas. Et 500 000, c'est votre business. Et votre Tout business à fait. actuel, faut le financer soit avec vos revenus actuels du travail, mais certainement pas avec les revenus de la chambre d'hôte potentielle. Une chambre d'hôte, le chiffre d'affaires d'une chambre en moyenne dans la région, pour qu'on ait une rentabilité là-dessus, c'est quoi le chiffre d'affaires d'une chambre? Alors, notre région, bien sûr, hein, parce que après c'est différent un peu partout, hein, mais ce qu'on arrive à avoir, nous, grosso modo, c'est une chambre, c'est à peu près 20 000 euros en moyenne de D'accord. rentabilité. Donc, si on est sur 5 chambres, ce qu'on a dit dans le cadre légal, on va être sur des revenus moyens de 100 000 euros D'accord. à l'année. Donc toujours mon même individu, si il a mis 500 000 euros dans le business, s'il fait entre 80 et 100 000 euros de chiffre, en gros, il tourne à 15-20% de rentabilité sur la chambre d'hôte, Tout à ce fait. qui n'est pas négligeable. Peut-être que là Tout à aussi, il y fait. a des gens qui s'intéressent à ça et qui ont fait le calcul. Alors, je crois qu'on a été très technique sur ce début d'interview. Maintenant, on a une vraie jolie chambre d'hôte à vendre dans le Luberon. Donc, j'avais dit la semaine dernière, on vous emmènera rêver un peu dans le Luberon. Donc, on va y aller, on va présenter la chambre. Et ensuite, on reparlera un petit peu de la technique, de pourquoi ce bien, est-ce qu'il est au prix, est-ce qu'il n'est pas au prix, qu'est-ce qui se passe voilà, dans son secteur, pourquoi c'est peut-être une bonne affaire pour les internautes qui vont partager l'émission. Donc je te propose qu'on y aille et puis on revient tout de suite après. Super.
Bon, voilà, Brice, on vient un petit peu de voyager nous-mêmes et puis de faire voyager nos spectateurs. Alors, cette chambre d'hôte, gros bâtiment, tu peux nous en dire quoi? Est-ce qu'on est positionné, pas positionné? Comment tu sens le bien? Comment tu as étudié le bien avec les propriétaires? Voilà. Maintenant, on va peut-être faire rêver dans l'autre sens. On va faire rêver sur le prix, on va faire rêver sur le projet. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent? Alors, tu l'as dit justement, c'est un gros bloc. On a quasiment 800 mètres carrés de bâti. C'est juste, en plus, en plein cœur de Loris, hein, c'est quand même pas rien, avec une vue à 360 juste folle. C'est exceptionnel d'avoir ça. Tu me dis comment j'ai pu avancer avec les propriétaires sur le positionnement du prix. Ben, clairement, ce sont des personnes qui, à la base, ne sont pas originaires de France, qui sont propriétaires depuis une quinzaine d'années de ce bien-là, qui ont, comment dire, fait fructifier cette activité de chambre d'hôte et ben, qui ont un changement de vie et qui sont réellement vendeurs parce qu'ils ont envie de repartir dans leur pays d'origine. D'accord. Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, le prix idéal, normalement, c'est 1 million d'euros pour la chambre d'hôte quand on est sur du bien plus-plus. Donc, du coup, le prix a été vite calculé en fonction de leur projet qui est de vendre en 2020. D'accord. Donc tu nous dis là qu'on est tombé sur des vrais vendeurs qui ont On est écouté sur le des vrais prix vendeurs. et Et je vais te prendre un chiffre pour l'attester. Le prix moyen au mètre carré, alors avec tout ce que ça implique, mais on est d'accord, mais le prix moyen au mètre carré sur Loris, c'est 2 500 euros du mètre. D'accord. Ici, on est à 1 200 euros du mètre, Ok, à pratiquement peu près. 50%. Quasiment 50%. D'accord. Donc, on a l'emplacement, on a l'activité qui fonctionne, on a le prix divisé par deux. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché pour relancer l'activité chambre d'hôte sur Loris. Ouais, je suis assez d'accord avec toi en l'écoutant comme ça. J'ai l'impression qu'on a un bâtiment qui est vraiment fait pour et qui est quasiment idéal pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient changer de vie après ce confinement et venir voir si comme dit la chanson, si la misère n'est pas plus belle au soleil. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Bon, écoute Brice, on arrive au bout de cette petite interview. Merci beaucoup pour tous ces conseils. L'expert a parlé. Tu reviendras dans l'émission nous voir, bien évidemment, parce qu'on a quelques idées pour parler de prix, parler de poids de positionnement, peut-être faire des tutos pour les gens, faire la différence entre le prix affectif, le prix de marché, le prix technique. Et voilà, ça nous donnera l'occasion de venir reparler de biens sympathiques sur le plateau. Donc je te dis à bientôt, porte-toi bien et puis occupe-toi bien du bureau parce que je vois que tu y es, donc Oui, profites-en. il est bien tenu, il est fouté, mais bien tenu. Merci Ça Laurent, va. salut. Salut Brice, à plus. Voilà, cette émission touche à sa fin. Évidemment, le temps passe très vite. J'espère que vous avez eu plaisir à passer un moment avec nous. Nous, on a eu plaisir à vous faire partager ce qu'on vit, je ne vais pas dire régulièrement, mais ce qui correspond et ce qui est notre quotidien. La semaine prochaine, on recevra des nouveaux experts, on ira voir de nouveaux biens. Donc, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Profitez-en et je vous dis à la semaine prochaine sur le deuxième e-live. Bon week-end à tous. Bye bye.